Bonsoir à tous, je suis hyper contente d'être ici à Dijon pour la première fois de ma vie. Je n'étais jamais venue, donc c'est l'occasion de visiter. Et puis, ah, c'est bon là? Ok, oui, il faut vraiment le mettre prêt, ok, c'est perturbant. Faites-moi des signes si j'ai tendance à le repousser, je vous verrai. Oui, donc je vous remercie d'être là ce soir, ça me fait très plaisir de visiter Dijon et de rendre visite à la SAB dont j'ai entendu parler depuis plusieurs années. Donc je vais parler effectivement des exoplanètes. Donc moi je fais de l'imagerie d'exoplanètes, donc je fais des photos comme celles que vous voyez derrière, c'est toute ma petite production personnelle. Et je vais vous parler un petit peu de ça, et ensuite je vais vous parler de plus de tous les aspects, comment les astrophysiciens réagissent face à la crise environnementale qui a lieu et toutes les discussions qui sont en cours depuis les cinq dernières années grand max. Voilà. Ça vous va comme programme? Très bien. Alors, donc, pourquoi est-ce qu'on fait de l'imagerie d'exoplanètes? La grande, grande question fondamentale qui se cache derrière tout ça, c'est de comprendre comment les planètes se forment, parce qu'en fait, on ne le sait pas. Il y a plusieurs scénarios en lice. Et donc, une des façons de chercher cette réponse, c'est de les observer, et de les observer par l'imagerie. Alors, par imagerie, là, ce que vous voyez sur la photo à gauche, c'est un système qui s'appelle HR8799, magnifique nom, hein, des poètes, avec quatre planètes. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a quatre points rouges, points blancs. Enfin, bon. Et c'est vraiment des planètes. C'est un système qui est assez jeune. Ce que vous voyez ici, c'est la lumière qui est directement émise par ces planètes. Donc, c'est ça qu'on va regarder, nous. Et là, c'est des planètes qui sont relativement jeunes. Et puis, c'est vraiment plutôt des géantes gazeuses bien joufflues, parce qu'on peut les voir, quoi. Donc, il faut imaginer ça. J'ai un autre exemple ici qui est très emblématique, c'est un disque protoplanétaire qui s'appelle PDS-70, toujours un nom merveilleux. Et donc protoplanétaire parce que c'est vraiment un disque de poussière et de gaz avant que le gaz justement parte avec le temps. Et donc la planète que vous voyez en bas à gauche, là, je ne sais pas si vous voyez bien, et puis je ne sais pas si vous voyez, ouais, si on voit la petite souris, ce truc-là, là, ce petit blob. C'est une planète en formation, c'est un tout bébé planète, c'est un embryon de planète, quoi. En fait, il y en a une autre ici qui est un peu cachée, mais on sait qu'elle est là. Et un peu plus tard, quand justement il n'y a plus de gaz ou quasiment plus de gaz autour de l'étoile, donc l'étoile est toujours représentée au centre hein, par les cinq branches, on a ce qu'on appelle un disque de débris, donc c'est l'analogue de la ceinture d'astéroïdes qui est entre Jupiter et Mars. Et donc là, c'est essentiellement des petites poussières, des petits agrégats, des grains, des restes en fait, de la formation planétaire. Et donc, en étudiant la forme de ces disques de débris et comment la lumière est diffusée, donc en fait, là, ce qu'on voit sur cette image, c'est la lumière de l'étoile au centre qui est diffusée par ces petites poussières qui sont autour. C'est vraiment ça qu'on voit. Et donc, en étudiant comment la lumière est diffusée et la forme de ce disque, en fait, ça peut nous donner des indices de quelles ont été les potentielles planètes qui ont été formées, comment, etc. Donc, c'est vraiment les trois trucs que moi, je regarde, en fait, quand je dis que je fais de l'imagerie d'exoplanètes, c'est aussi de l'imagerie de disques protoplanétaires jeunes et de disques un peu plus vieux, de disques de débris qui ont moins de gaz, quasiment pas de gaz. Voilà, et donc en fait, ce qu'on cherche avec ces images, c'est d'étudier l'architecture du système, parce que c'est super, sur ces images, on peut voir plein de choses, on peut voir le disque, justement, les planètes, quand il y en a plusieurs, comment elles interagissent les unes avec les autres, etc. On peut aussi observer plusieurs fois dans le temps et avoir une idée de comment les planètes vont interagir dynamiquement parlant. On va aussi pouvoir regarder, je vous ai dit, c'est la lumière émise par ces planètes, donc on va pouvoir faire un spectre de cette lumière émise par les planètes et étudier leur atmosphère, la structure, la composition chimique. Et le tout dernier point qui est en bas à gauche, pas du tout dans le bon ordre de lecture, mais c'est pas grave, c'est la démographie des exoplanètes. Ce qu'on veut savoir, c'est quel type de planète on a autour de quel type d'étoiles. Des grosses étoiles, des petites étoiles, des grosses planètes, des petites planètes, loin, proches, etc. Donc ça, c'est pour vous donner un exemple. On peut aussi regarder à plusieurs longueurs d'onde. Donc le fameux système emblématique PDS-70, qui est un système protoplanétaire. C'est hyper bizarre, le micro. J'ai des retours. Du coup, je galère un peu. Vous me dites si c'est... peut-être que c'est mieux comme ça. Je ne sais pas. Bon. Je vais essayer d'ignorer ma propre voix qui résonne. Ça va. Donc là, vous avez une image et ce que je vous ai montré en fait depuis tout à l'heure, nous, ce qu'on regarde, c'est la lumière émise par les planètes ou diffusée par les poussières des disques autour des étoiles. Mais en fait, tout ça, c'est en infrarouge moyen, donc à 1,6 micron. Vous avez tous l'air d'être des amateurs chevronnés, donc je ne vous fais pas le discours de ce que c'est.
Mais on peut regarder à d'autres longueurs d'onde, donc par exemple dans le domaine du centimètre, dans le submillimétrique, et on a ce genre d'image. Donc là, en fait, on va voir vraiment le milieu du disque, donc les poussières encore plus grosses, j'y arrivais. Et ça va nous permettre d'avoir une vue en multi-longueur d'onde de ce système et de bien étudier justement les propriétés entre les planètes, le disque, etc. Et donc, ce que je vous ai dit, c'est que ce qui est super, on peut voir l'architecture complète. Donc, rien que sur cette image, on peut voir plein de choses que j'ai essayé de mettre par des flèches jaunes. D'abord, bon, évidemment, c'est la planète. Hein, on peut voir sa position et l'émission de la lumière. On peut aussi voir l'interaction entre le disque et la planète. Donc, en fait, je vous ai dit, caché derrière ce blob, ici, là, en fait, il y a une planète, on le sait. Et on voit qu'il y a vraiment un pont de matière, et donc on voit vraiment la planète qui accrète de la matière du disque. Enfin, on voit, il faut beaucoup d'imagination, mais on sait quoi. Il y a le disque, donc comme je vous ai dit, il y a du gaz et de la poussière. Il y a un bras spiral ici, en haut, je ne sais pas si vous voyez bien. Il y a un truc qui part, et ça, par exemple, on a mis pas mal de temps à se convaincre que c'était un vrai truc qui existait, parce qu'en fait, on ne comprend pas trop d'où ça sort. C'est vrai. et le dernier... Oups. Et ben voilà, on va tout refaire. Ça fait des révisions. Et le dernier point, c'est aussi ici, on pense qu'il y a un disque interne, un petit disque, qui est beaucoup plus proche, parce que les planètes, quand en se formant, elles ont vraiment creusé justement la matière dans ce disque-là. Donc on a un gap, un trou, quoi. Et donc on pense qu'il y a ça. Et il y a peut-être des petites choses. Donc on peut voir plein de choses avec les images, hyper chouette. Mais en fait, ce qu'on appelle, quand on fait de l'imagerie d'exoplanètes, c'est vraiment on fait ce qu'on appelle de l'imagerie à haut contraste. C'est-à-dire qu'on regarde des choses très très faibles autour de choses très très brillantes. La chose très très brillante, en l'occurrence, c'est l'étoile, et les choses très très faibles, c'est tout ce qu'il y a autour. Donc là, je vous ai mis plein d'exemples. En haut à gauche, vous avez un système de deux étoiles avec plein de trucs autour. Là, il y a des ombres de projetés, des disques, machin. Enfin, bon, j'ai des collègues qui s'amusent à analyser ça. Ça, c'est des disques encore plus jeunes. C'est vraiment des étoiles en formation et on voit le disque autour. Ça va, le son? Ouais, OK. Parce que moi, j'entends vraiment des trucs bizarres d'ici. Donc pareil, des disques très très jeunes. Vous voyez au milieu ici, c'est très opaque parce que justement la poussière est tellement dense que ça va absorber la lumière. Donc ça, c'est pour ceux qui s'y connaissent, c'est les propyles. Voilà, les disques de débris. On fait aussi, alors là, il n'y a pas du tout d'étoiles autour, mais bref, on fait aussi des corps du petit système solaire, donc des planètes naines et des astéroïdes avec cette technique. Donc je vais revenir un peu en arrière et parce que je vais en reparler après. Mais l'astronomie, bon, c'est tout simple, hein, c'est l'étude des objets célestes. Donc c'est l'origine, les évolutions, les propriétés de ces objets en utilisant les outils des mathématiques, de la physique et de la plupart des autres sciences fondamentales. Et tout ce qu'on regarde, c'est au-dessus de l'atmosphère. Et l'atmosphère, par convention, on va dire que c'est vraiment par convention, c'est 100 km au-dessus de la Terre. Voilà. Sachant que la Terre fait 12 800 km de diamètre, ça vous donne une idée de à quel point la petite chose qui nous protège tous est très, 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 très petite en comparaison. Et si je vous dis ça, c'est parce que ça va avoir un intérêt après. Et l'astronomie, ça a vraiment été depuis toujours un moyen d'être un repère d'espace et de temps, mais aussi un repère spirituel, donc pour tout ce qui est croyance, cosmogonie, etc. Et donc, ça a un énorme lien avec le mouvement des populations, que ce soit la migration, mais aussi quand... j'arrive jamais à retrouver le mot pour « settlement », mais quand on fait de l'agriculture, quoi, et qu'on ne bouge plus. Merci, vous êtes trop fort. Donc la sédentarisation des populations. Donc voilà, ça a vraiment un lien énorme, mais en fait, toute l'astronomie ancienne est vraiment basée sur l'observation du spectre, des ondes électromagnétiques, donc de la lumière, des photons. Et sur Terre, comme vous le savez, il y a l'atmosphère. Et heureusement, l'atmosphère n'est pas transparente partout. Donc là, sur cette espèce de graphe dégueulasse, vous avez la longueur d'onde ici, de gauche en horizontale, avec le domaine du visible représenté par un petit arc-en-ciel. Et ce que vous avez en hauteur, c'est l'opacité de l'atmosphère. Là, ça veut dire que ce n'est pas transparent, c'est opaque. Là, c'est transparent dans le domaine du visible, heureusement pour nous, sinon on ne verrait rien du ciel. Et là, il y a des petites zones, des petites fenêtres de transparence dans le domaine milieu infrarouge. Là, c'est opaque et c'est retransparent dans le domaine radio. Ça explique pourquoi, sur Terre, vous ne verrez que des radiotélescopes, des télescopes submillimétriques et des télescopes en visible infrarouge, mais jamais le reste. Donc, quick, ça, c'est... Il n'y a pas, on n'a pas accès. Et donc, au début, on utilisait vraiment l'œil, c'est notre détecteur préféré. Et ensuite, il y a eu des détecteurs technologiques, disons. Donc là, on a un détecteur silicium sur les grands télescopes. Et pour ce qui est de le submillimètre et de l'infrarouge, et du radio, on a d'autres détecteurs un petit peu bizarres qui, en fait, sont, pour résumer, un pixel.
pour se dédouaner, pour aller au-delà de l'atmosphère et étudier les autres longueurs d'onde émises par les objets astrophysiques. On peut aussi mettre des télescopes sur des avions. Oui, oui, c'est chose qui est faite, sauf que ça coûte extrêmement cher. Donc, il y a 2 ans, la NASA a décidé d'arrêter de faire ça. Mais ils avaient un super Boeing et dedans, ils avaient mis un télescope quand même assez massif, quoi, un truc de 2 mètres. Et ça leur permettait d'aller exactement dans ces régions-là, ici. Où en fait, plus on monte en altitude, plus on a accès à certaines longueurs d'onde, on a moins d'absorption par l'atmosphère, parce qu'évidemment, on a moins d'atmosphère, tout simplement, et qu'en plus, la densité de l'atmosphère, elle va diminuer avec l'altitude. En bas, on va avoir beaucoup d'humidité, beaucoup de choses qui se passent, et plus on monte, vous le savez, vous avez sûrement tous et toutes fait l'expérience en montagne, plus vous montez, plus moins il y a de trucs, quoi. Moins il y a de trucs pour respirer, d'ailleurs. Et bon, sinon, l'autre solution, c'est de partir carrément dans l'espace. Donc, vous connaissez aussi très sûrement l'exemple du Space Telescope, du télescope spatial Hubble, qui, lui, se trouve à peu près 400 km d'altitude. Donc, au-dessus de cette fameuse convention de 100 km, mais on n'est pas non plus gigaot, on reste quand même pas très, très loin. Alors, l'autre truc qui est super important, c'est là où on met le télescope, mais c'est aussi la taille. Et oui. C'est comme ça en astronomie. C'est pourquoi on a besoin d'avoir des télescopes qui sont de plus en plus gros. La première raison, c'est que plus le miroir du télescope, enfin le collecteur de lumière est grand, plus on va être sensible à des objets qui sont faibles. Donc on va voir des objets plus loin et ou plus faibles. Donc c'est hyper important. C'est pour ça qu'on s'amuse à faire des gros télescopes. Et l'autre raison, c'est parce que plus vous avez un miroir qui est grand, plus vous arrivez à avoir des petits détails très très fins sur vos objets. Donc, par exemple, vous pouvez faire l'expérience entre une paire de jumelles et un télescope la même nuit, vous regardez la Lune, vous verrez beaucoup plus de détails sur les cratères avec un télescope plus grand. Et vous aussi, vous allez aussi voir la sensibilité avec un télescope, ça fait mal aux yeux parce que vous allez recevoir plein de lumière, alors qu'avec les jumelles, vous aurez moins mal aux yeux. Donc, vous voyez aussi que collecter la lumière avec l'ouverture du jumelle versus un télescope un peu plus cossu, ça change. Donc aujourd'hui, les télescopes qu'on utilise dans le monde professionnel, dans le visible infrarouge, on est dans les télescopes dits de classe de 10 mètres. Ça veut dire que le diamètre des télescopes, c'est autour de 10 mètres. Bon, un arrondi, mais en fait, c'est 8 mètres. Et 8 mètres 2, c'est le maximum qu'on puisse avoir pour un miroir en une seule pièce, qu'on appelle monolithique. Parce que si on essaye de faire au-dessus de 8 mètres 2, ça se casse sous son propre poids. Surtout quand on le déplace, parce que quand même, on le fait bouger le télescope pour qu'il aille viser à droite et à gauche. Donc ça, c'est vraiment la limite qu'on a pour l'instant. Alors, il y a des télescopes qui sont un peu plus grands. Je pense que peut-être vous êtes en train d'y penser. Mais de 10 mètres, mais ce n'est pas en une seule pièce. C'est des morceaux de miroir accolés les uns aux autres. Donc, en général, on utilise des hexagones parce que ça fonctionne bien. C'est assez optimal. Et donc, c'est comme ça qu'on est passé du 40 cm au 19e siècle au 8 mètres 2 dans les années 90. Et là, en ce moment, on est en train de construire carrément un 39 mètres. Donc là, on utilise un ensemble d'hexagones. Est-ce que vous savez combien il y aura d'hexagones, de petits miroirs hexagonaux pour faire un télescope de 39 mètres de diamètre? Ouais, c'est ça. On est sur 798. Ça, il y en a pas mal. C'est beaucoup. Chacun il fera à peu près 1 mètre de côté, donc un hexagone de 1 à 2 mètres de côté. Donc c'est à peu près là où on est. Mais en plus de ça, j'en rajoute une couche, on est aussi parti sur des observatoires de plus en plus isolés. Donc au début, ça me fait toujours rire d'imaginer qu'en plein milieu de Paris, il y avait quand même un observatoire où ils faisaient de la science, quoi, enfin des observations professionnelles, parce que c'était à côté du Jardin du Luxembourg, qui est la petite résidence d'été de la reine qui habitait au Louvre. Aujourd'hui, c'est absolument impensable à cause de la pollution lumineuse et aussi de la pollution atmosphérique qui va diffuser la lumière. Donc on s'est bougé, on a bougé vers Meudon, pour ceux qui connaissent la région parisienne, c'est un petit peu plus loin, mais pareil, c'est un peu cracra. Et ensuite, on a bougé au Pic du Midi dans les Pyrénées, pour ceux aussi qui connaissent, magnifique site, très 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 beau, vers Bagnères-de-Bigorre. Et en fait, on est allé encore plus loin, on est allé sur les îles d'Hawaï, en l'occurrence au sommet du Mauna Kea, à 4200 mètres d'altitude, parce que comme je vous ai dit, plus c'est haut, mieux c'est, plus on est content, et en plus sur une île en plein milieu du Pacifique, donc on a un bon gros flux laminaire, un temps parfait, il n'y a pas de nuages, etc., et c'est ça qu'on veut. Ça pose d'autres questions, parce que Hawaï, c'est pas chez nous, mais j'y reviendrai, parce que c'est pas la maison. Donc les sites principaux aujourd'hui pour faire de l'astronomie professionnelle, c'est donc Mauna Kea à Hawaï, un volcan éteint, la cordillère des Andes au Chili, un des lieux les plus arides au monde, et les îles Canaries en Espagne.
Je vais aller très rapidement là-dessus, mais il y a souvent la question qui vient de est-ce qu'on fait des télescopes au sol ou dans l'espace. Alors il y a plein de trucs cool au sol, c'est déjà qu'on peut faire des gros miroirs parce que c'est compliqué d'envoyer ça dans l'espace, grande stabilité, on peut très facilement y accéder pour réparer, mettre à jour, tester des nouveaux concepts, etc. etc. Et donc le NEC plus ultra, c'est le Very Large Telescope au Chili avec ses 4 télescopes qui ont chacun un miroir de 8,20 m de diamètre qui vont travailler, donc, comme je vous ai dit, dans l'infrarouge. Et eux, ils sont à seulement 2500 mètres d'altitude. Et dans l'espace, par contre, ce qui est cool, c'est qu'on a une couverture du ciel qui est idéalement de 100%. On peut regarder partout où on veut. Alors que là, au Chili, on est cantonné à l'hémisphère sud. On peut voir que la partie du ciel accessible de l'hémisphère sud, enfin de là où est le télescope. Par contre, on a très peu de bruit dans l'espace. On peut regarder plus de longueur d'onde, comme je vous ai dit, parce qu'on est hors de l'atmosphère. Et on peut faire plein de petites mesures, etc. Et pareil, le NEC plus ultra, cela va sans dire, le James Webb Space Telescope, j'étais obligée de le placer, mais en fait, je ne fais pas du tout de spatial, alors du coup, j'en parlerai plus. Désolée. Mais lui, il a un miroir primaire de 6,50 m, ils ont fait un peu d'origami pour le placer dans la coiffe de la fusée, et il fait des trucs incroyables. Par contre, il a 1,5 million de kilomètres, donc s'il est cassé, on ne va pas le réparer. Il est un peu trop loin. Voilà. Donc, gardons les pieds sur Terre. Comme je vous ai dit, moi, je me suis vraiment focalisée sur les télescopes au sol parce qu'en fait, c'est assez différent, même si ça n'a pas l'air comme ça. Et en particulier, j'ai travaillé avec le Very Large Telescope qui est au Cerro Paraná, au Chili. Je vous ai mis en haut à gauche un petit Google Earth là, de où c'est. On voit vraiment bien la zone désertique du Chili qui est bien dessinée avec le petit point jaune. Le type de télescope que c'est, bon, c'est un Ritchey Chrétien, je l'ai juste mis pour les fadas d'optique. Il y en a sûrement parmi vous. Je me suis dit, ils allaient être contents. Donc, vous voyez, là, il y a l'ouverture du télescope. Je vais faire un petit zoom. Donc, à gauche, vous avez le dôme qui a cette forme carrée parce que ça optimise le flux, justement, d'air et ça évite d'avoir de la turbulence dans le dôme. Je vous en train de vous balancer un tas d'informations. J'espère que vous tenez. Tout va bien. Donc, là, à droite, vous avez le miroir primaire qui fait 8 mètres de diamètre. En fait, ça ne se voit pas sur la photo, donc je vous le dis, mais il est assez fin. Il fait quelques centimètres d'épaisseur. Et aussi, quand on y va, ça, c'est un autre truc que la plupart des gens ne remarquent même pas quand ils sont devant, c'est que pour nous, humains, il est un peu transparent. Parce que, comme je vous ai dit, il est optimisé pour l'infrarouge. Donc, dans ce que nous, on voit avec les yeux, en fait, il est un petit peu transparent, mais il est réfléchissant parfaitement dans l'infrarouge. Ce que vous voyez au milieu, c'est une petite tourelle qui va tenir le fameux miroir tertiaire. Je vais vous montrer tout de suite après ce à quoi il sert, qui peut soit partir, soit se caler d'un côté ou de l'autre. Et vous avez ici un zoom sur le miroir secondaire qui est tenu par ce qu'on appelle des araignées, que j'ai mis en anglais la spider. Je vais faire beaucoup d'anglicisme, désolée, mais j'essaye de me soigner. Et en fait, quand vous regardez justement ces fameuses araignées avec le miroir secondaire, c'est pour ça que l'ouverture du télescope, finalement, c'est ce que vous voyez en haut à gauche. Donc quand la lumière, elle arrive de votre objet astrophysique, elle rencontre cette ouverture-là. Ce n'est pas un truc circulaire parfait, il y a une occultation centrale au milieu et ces fameux spiders. Alors comment ça marche la lumière, on ne voit pas très bien, et puis je ne peux pas vous montrer, j'ai tendance à gigoter, mais là j'ai et le micro et pas de truc pour vous montrer, donc je ne peux pas gigoter. La lumière, elle va arriver de là-haut, elle va rebondir sur le miroir primaire de 8 mètres de diamètre, donc collecter un max de lumière, et la lumière va converger vers le foyer primaire ici. Dans certains télescopes, mais pas au Very Large Telescope, on pourrait mettre un instrument là-haut, sauf qu'il ne faudrait pas qu'il soit trop lourd, sinon ça casse tout. Mais on peut, ça s'appelle le foyer primaire. Voilà. Mais nous, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on le fait rebondir sur ce fameux miroir secondaire, d'où le nom primaire-secondaire, jusque-là tout va bien, et on va faire converger au foyer casse-grain. Et ici, pareil, on peut mettre un instrument. Quand je dis instrument, en fait, c'est une caméra. Et des fois, des trucs pour faire des spectres, pour éclater la lumière en ces différentes longueurs d'onde. Et pareil, il ne faut pas que ce soit quelque chose qui demande beaucoup de stabilité, parce que quand vous regardez un objet dans le ciel, vous faites bouger le télescope, donc il ne faut pas qu'il soit trop, trop lourd. Si vous mettez un instrument gigalourd ici, ça ne va pas être cool. D'où le miroir tertiaire. Donc, vous pouvez mettre ici, si vous voulez, un petit miroir tertiaire qui va envoyer la lumière vers le foyer dit Nasmyth, et il a son petit copain, le foyer Nasmyth A et B, donc d'un côté et de l'autre du télescope, et donc ça, ça sert, le miroir tertiaire. Et en fait, il y a un petit secret, c'est qu'il y a encore plein de petits miroirs partout, comme ça, clac, 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 si, si, c'est vrai, et qui amène au foyer coudé. Alors, je ne sais pas du tout pourquoi il s'appelle comme ça, mais ça marche. Et là, on peut mettre vraiment des gros instruments, parce que même la plateforme Nasmyth, elle est limitée, quoi. Faut pas mettre des trucs trop, trop lourds, sinon les gens, ils sont pas contents. Il faut préserver la bonne santé du télescope. Voilà. Maintenant, quand on observe une étoile,
Elle envoie des rayons lumineux de façon isotrope, donc dans toutes les directions de sphérique. Et en fait, souvent, on aime bien représenter la propagation des rayons lumineux par une surface complètement random, mais c'est juste pour se la représenter, qu'on appelle le front d'onde. Donc, pour traduire ça, les fronts d'onde, ils se propagent tout le temps. Non, pardon, les rayons lumineux se propagent tout le temps perpendiculairement au front d'onde. C'est tout ce qu'il faut retenir. Et donc, l'étoile, elle va émettre des fronts d'onde sphériques. Sauf que nous, on est giga loin de notre étoile, et donc quand on va les recevoir sur Terre, c'est comme s'ils arrivaient plans, parce qu'on va avoir des toutes petites portions de sphère. Donc c'est comme un plan. Donc c'est ça qu'il faut retenir. Donc l'étoile émet un rayon, de très loin, on le perçoit comme un plan, et ça, c'est la définition d'un objet, d'un point source. Donc vous allez vraiment être limité par l'ouverture de votre télescope, c'est ça qui va faire que vous allez voir ou non l'objet. C'est ce qu'on appelle non résolu, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas voir de détails, vous ne pouvez pas résoudre, donc voir le diamètre de l'étoile. C'est juste un point lumineux. Il n'y a pas de, y a rien à voir, circuler. Et c'est ça qu'on voit pour les planètes, donc ce n'est pas hyper glamour en fait, c'est juste un point. Mais bon, on fait avec. Je ne peux pas ne pas vous parler du phénomène de diffraction optique, parce que c'est la base. Je vous ai mis une illustration un petit peu moche, j'arrive jamais à trouver... En fait, j'aimerais bien un jour le faire moi-même pour faire des belles illustrations, mais c'est vous voyez, des vagues qui arrivent à la surface de l'eau, et puis il y a une petite embouchure, et ça fait que justement les vagues qui arrivaient avec un front d'onde du coup plan, elles arrivent tout d'un coup en front d'onde sphérique. Donc c'est un peu ça qui se passe en optique, quand vous avez de la lumière qui arrive, elle arrive en onde électromagnétique, donc c'est une vague qui va se propager, et vous avez une petite ouverture, et selon la taille de l'ouverture, par rapport à la fréquence de cette vague, donc la... Si c'est une toute petite vague ou une grosse vague bien large, eh ben ça va bousculer et ça va changer, sphériciser l'onde. Bon, tout ça pour dire que quand votre lumière de l'étoile va arriver au télescope, ça va faire des zigouigouis. C'était ça que je voulais dire, en fait, c'est tout. Et le truc intéressant derrière, le mot-clé, c'est diffraction. Ça, c'est un super schéma que j'ai trouvé sur Wikipédia, qui explique finalement pas très très bien ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. Le truc de droite, là, oula, ça c'est justement le fameux point source, donc notre étoile, typiquement, qu'on verrait à travers un instrument qui aurait une ouverture parfaitement circulaire. Ça fait un point. En plus, vous voyez pas très bien là, mais pour ceux qui ont des très très bons yeux, vous pouvez peut-être voir un autre cercle autour, un autre anneau. C'est la fameuse tache d'Airy pour les connaisseurs et connaisseuses. Sauf que nous, comme je vous ai dit, on n'a pas un télescope qui est tout rond, on a une ouverture du télescope avec l'empreinte du miroir secondaire au milieu et des petites spiders, des araignées qui le tiennent. Et donc si on fait le calcul, c'est une simulation que je vous ai montrée à gauche, si on regarde une étoile avec le télescope, on devrait voir cette magnifique tache de diffraction, le point source. C'est ça que vous pouvez faire avec un miroir de 8 mètres. Super, non ? C'est vachement beau, ça c'est une étoile. Vous n'avez pas l'air super content quand même de... C'est hyper impressionnant. Bon, c'est pas hyper... Et encore, ça, c'est dans l'idéal. Parce que le problème, c'est que dans la vraie vie, bah, c'est pas idéal. Dans la vraie vie, il y a quelque chose entre l'étoile, donc notre lumière qui arrive, et notre télescope, ça s'appelle l'atmosphère. Et l'atmosphère, comme vous le savez, il y a de la turbulence atmosphérique. La turbulence atmosphérique, en deux mots, c'est parce que le coefficient thermique de l'air est pourri. D'accord ? Vous savez bien que quand vous avez un petit... Il fait super froid dans mon université, je ne sais pas comment c'est ici, mais ils nous mettent des petits radiateurs électriques bien dégueulasses dans les coins, et l'air chaud, il est bien coincé autour du radiateur, il n'arrive jamais vers mon bureau. Donc c'est un peu ça. C'est que l'air chaud et l'air froid se mélangent très très mal. Vous ouvrez un frigidaire, paf, ça fait de l'air froid sur les pieds, mais ça met du temps avant de se mélanger à l'air de votre cuisine, ou la pièce où vous mettez votre frigidaire, que je suppose être votre cuisine. Donc comme l'air... est un très mauvais conducteur thermique, donc l'air chaud et l'air froid ne se mélangent pas, ça fait que dans l'atmosphère, il y a des petites bulles d'air chaud et des petites bulles d'air froid, parce que pendant la journée, ça se fait chauffer par le soleil, et pendant la nuit, bah, il fait de froid tout d'un coup, donc cette chaleur, elle va remonter, etc. Il va y avoir des mélanges très peu miscibles entre les deux. Et sauf que ces petites gouttes d'air chaud et d'air froid, elles vont avoir un indice optique différent. Donc en gros, quand la lumière va arriver sur une petite bulle, c'est vraiment pour schématiser, mais c'est à peu près ça qui se passe. Quand la lumière elle va arriver sur une petite bulle d'air chaud, elle va être déviée dans une direction. C'est les lois de Snell-Descartes là, que vous voyez au lycée. C'est pour ceux qui seraient... Ouais. Toi, t'es pas contente d'être venue, tu te dis « merde, pourquoi je suis là ?» C'était ma pause. Et alors, si par contre, t'as une autre petite bulle avec une autre température, eh ben, le rayon sera dévié, mais dans une inclinaison un peu différente. D'accord, c'est le petit schéma que j'ai essayé de faire avec les petites bulles en bas à droite. Donc, au final,
les rayons, ils vont être dans ce qu'on appelle réfractés, donc ils vont être dans une direction différente selon leur température. Alors, l'indice optique de l'air dépend essentiellement de la température, mais aussi un peu de la pression et beaucoup de l'humidité. Mais je vais faire le raccourci en disant que c'est essentiellement la température, mais il faut savoir. Donc, ils vont se propager en fait dans des directions aléatoires. Et quand ça va rentrer dans notre instrument optique que j'ai représenté gracieusement par un entonnoir, parce que c'est un peu à ça que ça sert, ça va aller dans tous les sens et à la fin, au détecteur, je ne sais pas si vous voyez bien ici à droite, mais on va voir, ça va être un peu éclaté, quoi. On ne va plus du tout voir le beau point source que je vous ai montré tout à l'heure, qui était vraiment très très beau en fait. Là, vous vous réalisez qu'il était très très beau. On va voir un espèce de boulga de choses. Ça fait des interférences constructives, destructives, voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle un champ de tavelure. Et peut-être certaines d'entre vous ont entendu parler de speckle, c'est la traduction. Et c'est ce qu'on a quand on a de la turbulence atmosphérique. On peut le voir en tant qu'amateuriste. Quand vous regardez au télescope des étoiles bien brillantes près de l'horizon, vous voyez que ça bloblote dans tous les sens, c'est ça. C'est vrai, speckle. Donc il y a un autre moyen de montrer à quoi ressemble la turbulence atmosphérique. Là, c'est un avion dans un endroit très très froid, qui a ses réacteurs allumés, donc très chaud, et vous voyez que ça brouille complètement l'image de fond. On devrait voir des cailloux, mais en fait, on voit juste un truc flou. Donc, je vous ai représenté en haut, là, en bleu, qui arrive, qui rentre dans le télescope, le fameux front d'onde, ces fameux fronts qui servent à représenter comment se propagent les rayons lumineux, qui devraient se propager, qui se propagent perpendiculairement au front d'onde. Et en bas, au détecteur, c'est le point focal. Donc vous focalisez toute cette lumière qui rentre au niveau du bleu en haut, et vous faites l'image de l'étoile. Donc à gauche, dans un monde idéal parfait, le front d'onde est plan, c'est nickel, vous voyez une belle, magnifique tache des rilles. Superbe. Sauf que dans la vraie vie, c'est pas plan du tout et vous voyez une grosse tache ou une grosse patate, comme vous voulez. Vous avez peut-être remarqué que, voilà, on voit vraiment rien en plus sur le projo, c'est encore pire que sur l'ordi. En haut à droite, vous voyez, ça a vraiment des formes un peu comme des nuages et ça, c'est une vraie simulation. C'est une simulation, mais c'est une vraie simulation de la turbulence atmosphérique. Donc ça ressemble vraiment à ça, ça a vraiment ce côté très très nuageux. Maintenant, on revient à mes petits, maintenant que vous avez la base, comment on va faire dans tout ce fourbi pour trouver des exoplanètes. Regardez des exoplanètes, en fait, c'est marqué en anglais, je suis désolée, ah, c'est ça de faire des copier-coller. C'est d'obtenir, en fait, je vais y arriver, ça me perturbe trop l'anglais, c'est d'arriver à avoir des détails qui sont de quelques milliards de secondes, sachant que, à ça, vous savez sûrement, la Lune, c'est combien en diamètre angulaire, la taille de la Lune ? Un demi-degré. Parfait. Et de Jupiter ? 30 arcs secondes, je crois que c'est. Ça ? 5 ? 25 ? Oh. Bon, ouais, 25 arcs secondes, ok, je la donne. Donc, milliards de secondes, vous voyez que là, on est vraiment à une échelle encore plus fine, plus petite, pour séparer l'étoile qu'on vise de la planète, du signal de la planète, le signal de l'étoile, du signal de la planète. Et en plus, l'étoile, elle est un million de fois plus brillante ou un milliard de fois plus brillante que la planète qui est à côté, donc il faut jouer sur les deux. Donc pour ça, il faut quatre ingrédients que je vais détailler à chaque fois. Le tout premier, c'est un gros télescope de 8 mètres de diamètre. Pourquoi ? Un, sensibilité, on veut capter un max de lumière parce que les planètes, elles sont très faibles. Deux, de la résolution angulaire ou résolution spatiale, on veut voir des détails, on veut voir séparer la lumière qui vient de l'étoile de la lumière qui vient de la planète. Deuxième ingrédient, une optique adaptative. On veut se débarrasser de cette turbulence atmosphérique qui nous entoure. Je vais vous expliquer comment ça marche. 3. Un coronographe. C'est cool, l'optique adaptative, il va falloir cacher la lumière de l'étoile pour pouvoir voir ce qui se passe autour sans qu'on soit gêné, aveuglé par la lumière de l'étoile qu'on vise au centre. Et 4. Parce que ça ne suffit pas, des petits traitements d'image un peu costauds. Enfin, en fait, je dis ça, mais on fait joujou avec des photons. Hein. Ça, c'est mon corps de métier, c'est pour ça que je me permets de dire du mal dessus. C'est vraiment ce que je fais. Des méthodes de traitement d'image pour pouvoir creuser, retirer les résidus de la lumière de l'étoile que vous voyez dans l'image du milieu. On ne voit pas hyper bien en projo, mais voilà. Tout ce que vous voyez là, c'est vraiment de la lumière de l'étoile qui a bavé sur notre image. Et donc, pour s'en débarrasser, on fait des méthodes de traitement d'image a posteriori. Donc, une fois qu'on a récupéré les images au télescope. Alors, on va commencer par l'optique adaptative. Je vous ai dit, la turbulence atmosphérique, maintenant, vous êtes incollable. Dans l'idéal, on a ça, mais on n'a pas ça. Donc, on va réparer les défauts
du front d'onde. Donc je vous ai dit, le front d'onde, il arrive à l'entrée complètement avec cette forme de nuage bleu là que je vous ai montré tout à l'heure. Et on va utiliser quelque chose qui va compenser, et ce quelque chose, ça va être un miroir déformable. Donc les miroirs, en vrai, ils ont une taille de peut-être 30 cm de diamètre, 20 cm, ça dépend, il y en a des plus petits, ça dépend du système qu'on utilise, mais ça vous donne, c'est pas le miroir du télescope, hein. C'est pas le truc de 8 mètres qu'on fait bouger, c'est un autre miroir qu'on met plus loin. Et donc il va recevoir la lumière déformée qui arrive de l'étoile qui a traversé l'atmosphère et va le corriger en faisant la déformation, je vais y arriver, la déformation inverse, on va avoir un miroir quoi, déformable, voilà. Et donc c'est une petite surface réfléchissante, souvent très fine, avec des petits actuateurs derrière, des petits moteurs qui vont pouvoir faire bouger ce miroir déformable. Et il y a plusieurs technologies qui existent pour pouvoir faire des mouvements très très fins de ce miroir de quelques micromètres. En bas à droite, vous avez une image d'un miroir développé par Silas. Oups, raté, c'était dans l'autre sens. Voilà. C'est super cool d'avoir un miroir déformable, mais il faut surtout savoir quelle commande on envoie à un miroir, quelle déformation on lui met pour que ça compense effectivement le fameux front d'onde déformé qui arrive. Donc là, on utilise ce qu'on appelle un analyseur de front d'onde. Par exemple, alors je vous en parle parce que je sais qu'il y a beaucoup d'amateurs qui utilisent ça, c'est vendu depuis même maintenant plusieurs années, plusieurs dizaines d'années pour les amateurs. Donc si on avait un front d'onde plan, on va le découper, ce front d'onde, en petites micro-lentilles. On va le découper avec plein de petites micro-lentilles et chaque micro-lentille va focaliser ce qu'elle voit dans un endroit. Voilà. Donc dans un coin parfait, c'est au milieu, on sait exactement où ça devrait être. Et si ce n'est pas parfait, avec un front d'onde tordu, bah en fait, ce petit point, il n'est plus du tout à l'endroit attendu, mais il est plus loin. Et donc, en repérant où est le petit point au foyer de chaque micro-lentille, ça nous donne l'idée de quelle est la pente du front d'onde entrant. Ça va ou pas? Ou je vous ai complètement perdu là? Ça roule? Ok. Bon, très bien. Ouf. Et ça, c'est des petits ouais, on en trouve pour les amateurs, et ça marche très, très bien. Donc, on ne peut pas mesurer directement le front d'onde, d'autant plus que le front d'onde n'existe pas, mais on peut mesurer l'effet du front d'onde et le traduire en intensité avec cette matrice de micro-lentilles en l'occurrence. Bref, donc maintenant on a notre analyseur de front d'onde, on a notre miroir déformable et entre les deux on va mettre un ordinateur qui va calculer la bonne déformation à envoyer à chaque petit moteur du miroir. Et tout ça, ça fonctionne en boucle fermée et ça fonctionne très très vite. Est-ce que vous avez une idée de la vitesse du machin? Combien? Beaucoup de fois par seconde, ouais, c'est une très bonne... Alors, à peu près 1000 fois par seconde, donc à 1000 Hz, quoi. 1000 fois par seconde, donc toutes les millisecondes, je vais y arriver. On va faire une correction. Donc, 1000 fois par seconde, le miroir, il va bouger. On va analyser, envoyer la commande, bouger le miroir, etc. Alors, c'est pas instantané entre l'analyse et la correction, mais quand même, ça va très, très vite. Donc, et puis, ça marche super bien. Ça... Je voulais vraiment vous le montrer parce que je trouve ça hyper classe. C'est un collègue qui l'a fait et c'est le vrai miroir déformable que j'utilise dans mes recherches. À gauche, vous avez vraiment la forme du miroir et vous retrouvez ces petits nuages un peu, ces nébulosités qu'on voit. Et donc ça, c'est la forme. Et à droite, vous avez le foyer de ces fameuses micro-lentilles. Donc là, il y en a un paquet de micro-lentilles. Hein. Il y en a 1600 à peu près, 1500. Donc vous voyez à chaque fois les petites taches qui bougent très très vite. Comme ça, c'est chouette, non? J'aime beaucoup cette vidéo. C'est du vrai. Donc les résultats de l'optique adaptative, j'aime beaucoup montrer cette image. Donc, c'est une vue de la planète Neptune avec le Very Large Telescope. Et à gauche, vous avez sans compensation de la turbulence atmosphérique, avec. Et là, on a retrouvé de la résolution spatiale. La résolution angulaire, c'est la même chose. Hein. C'est juste que quand on regarde dans le ciel, ça fait un angle. Bref, mais c'est vraiment pareil, spatial et angulaire. On commence à voir vraiment des détails fins comme les nuages et plein de choses sur l'atmosphère de la planète. Et ce qui est intéressant, c'est de la comparer avec ce qu'on peut faire dans l'espace, mais avec un télescope qui est plus petit. Et donc là, on voit que c'est plus flou, parce que c'est 2 mètres à la place de 8 mètres. On voit beaucoup d'états. Alors, c'est un peu de la triche, parce que ce n'est pas exactement les mêmes longueurs d'onde. Hein. Donc, on va pas faire c'est pas une vraie comparaison. Mais en même temps, c'est quand même déjà chouette de voir que l'image de droite est finalement un peu plus floue, justement parce que le miroir est plus petit et que grâce à l'optique adaptative, on arrive à faire presque aussi bien que dans l'espace. En gros, on arrive à 90% à corriger la turbulence atmosphérique, ce qui est pas mal. Joli techno, hein ? Il y a d'autres trucs jolis à regarder. Donc, à gauche, c'est sans, à droite, c'est avec optique adaptative.
Je ne sais pas si vous voyez bien, mais on voit quand même un paquet de détails. On peut faire pareil sur le Soleil, donc ça c'est des taches solaires, ou sur des objets plus lointains comme les galaxies. À gauche, à chaque fois, c'est sans optique adaptative et à droite, avec. C'est bon. Ensuite, coronographie, donc très rapidement, l'idée c'est de cacher la lumière de l'étoile au centre, donc on va mettre un masque, tout simple. Dans un cas absolument idéal, ce qu'on aimerait avoir, c'est un trou. Et comme ça, s'il y a une planète, on ne voit que ça. Évidemment, dans la vraie vie, ça ne marche pas, mais on va quand même essayer. Alors, c'est un schéma un peu compliqué, mais bon, c'est quand même celui que j'utilise pour mes collègues. Donc, ça se lit de gauche à droite. Donc, à gauche, vous avez la turbulence après la correction par optique adaptative. Donc, vous voyez que ce n'est pas parfait. On aimerait bien que ce soit parfait, mais il reste des petites granulosités très fines qui sont dues, en fait, à la taille du miroir déformable et au fait qu'il y a un nombre d'actuateurs qui est fini. Si c'était infini, on pourrait peut-être faire des trucs parfaits, mais bref. Ça va rentrer dans le système. Et donc là, à droite, vous reconnaissez peut-être cette magnifique tache de diffraction, l'image de l'étoile, à travers l'ensemble télescope et instrument. Donc, on va mettre un masque, ici, au milieu, et ça donne ce genre de choses à droite. Donc, je ne sais pas si vous voyez très très bien. Bon, ça marchote, quoi, c'est pas mal. Mais ce n'est pas fou, parce qu'en fait, la diffraction, bah, elle arrive aussi avec ce masque-là. Donc, il va falloir compenser la diffraction du petit masque qu'on a mis à l'intérieur. C'est pour ça que vous observez des anneaux brillants là près du centre sur l'image de droite. Et pour ça, Bernard Liot, il y a longtemps, 1930 et des brouettes, il s'est dit, bah, tiens, on va mettre un Liot-stop, c'est-à-dire on va couper justement ces anneaux de diffraction. Donc, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien la différence à droite entre les deux. Clac, clac. Donc, c'est un peu mieux. C'est même vachement mieux, en fait. Et donc, c'est pas mal, mais par contre, ça réduit la taille de l'ouverture, donc ça réduit un petit peu la résolution, parce que je vous ai dit, on veut un télescope d'une telle taille parce qu'on veut pouvoir voir des détails sur l'objet qu'on observe. Donc là, on va réduire un petit peu ça, mais c'est des pouillèmes. Hein. On n'est pas à ça près. C'est pas parfait. Donc il y a un autre collègue français qui bosse aux États-Unis, le traître, qui a inventé les apodiseurs. Donc là, l'idée, c'est la diffraction, c'est justement dû à une coupure nette entre ça passe et ça passe pas, 1 et 0. Bah, il s'est dit, bah, justement, on va dénettiser, ça se dit pas du tout. On va rendre un petit peu flou, donc du coup les bords du télescope de l'ouverture vont être un petit peu tout ramolli comme ça. Donc apodiser, ça vient de couper les pieds, hein. C'est pas hyper imagé, et ça marche super bien. Donc en fait, un coronographe, c'est pas forcément un seul élément, mais là c'est un ensemble de trois éléments. Ça fonctionne très très bien, et vous voyez à droite on a une image qui est relativement chouette. Voilà, et tout ce que vous voyez là dans l'image à droite, en fait, c'est vraiment la lumière de l'étoile qu'on vise qui a été étalée dans tout notre champ de vue à cause de toutes ces histoires de diffraction, de résidus, d'optique adaptative pas parfaite, de coronographe pas parfait. C'est les imperfections du système. Et c'est avec ça qu'on va jouer pour la partie traitement d'image, sachant que dans la vie réelle parfaite, on aimerait trop avoir ça. C'est-à-dire, il y a une planète, ça fait 1, il n'y a pas de planète, ça fait 0. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, en haut à droite, le cas idéal, on voit 4 points blancs, excusez-moi. C'est nos 4 exoplanètes. Mais malheureusement, c'est pareil, la vie n'étant pas parfaite, on a ce qu'on appelle des faux positifs, c'est-à-dire qu'on a des signaux, mais en fait, ce n'est pas du tout des planètes. C'est des résidus de machin, d'aberration. Et dans la vraie vie, c'est ça qu'on observe. Donc, en plus, les méthodes de traitement d'image, il faut qu'elles soient bien adaptées, parce que bah, c'est assez varié. Hein. Il y a plein de choses qui se passent. Et justement, donc, moi, quand on m'a donné la tâche, j'ai choisi de faire cette tâche, de créer des traitements d'image adaptés, bah, en fait, j'ai d'abord étudié d'où ça venait, ces trucs-là. Comment on pouvait expliquer toute cette variété de formes, quel type d'aberration donnait tel type d'image. Donc ça, c'est ce que je dis, c'est que comprendre comment la lumière de l'étoile se répartit dans le champ de vue, c'est vraiment un point clé. Donc j'ai pas mal travaillé là-dessus, et ça m'a envoyé sur un machin, que j'ai appelé le Wind Driven Halo. Bon, traduit en français, c'est vachement moins classe. La signature de Halo de vent. J'ai pas trouvé mieux comme traduction. Alors en anglais, c'était hyper classe, hein, j'étais contente. À gauche, donc c'est des vraies images hein, de l'instrument que j'utilise qui s'appelle Sphere, qui est installé au Very Large Telescope. À gauche, en haut, vous avez l'image sans coronographe. En bas, à gauche, sans coronographe. Les deux images, elles se valent. Elles sont à peu près pareilles. Par contre, à droite, vous avez l'image correspondant à celle de gauche, mais avec le coronographe cette fois. Et vous pouvez voir, je ne sais pas si vous voyez bien quand même là. En haut à droite, bah, c'est super cool, c'est plutôt bien, on est assez stable. Et en bas à droite, vous avez cette espèce d'énorme halo dégueulasse.
Et il se trouve que ce halo, il va nous empêcher de voir les planètes. Et en plus, il est vraiment, donc on l'a étudié, dans la direction du vent. Donc on a vraiment compris qu'il était dû au vent. Et l'autre chose qu'on a compris, donc ça, c'est des simulations pour prouver que ce qu'on avait dit, observé, c'était vrai. Donc j'ai simulé les images avec du vent, pour essayer de vraiment comprendre ce qui se passait. Ce qu'on a compris, c'est qu'il y avait un énorme lien avec la météo. Donc, comme je vous ai dit, quand il y a beaucoup, beaucoup de vent, quand le vent est rapide, on observe cette signature. Il y avait un lien avec l'époque. Il se trouve que cette signature était plus présente en hiver. Et là, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait un lien avec le climat. On y arrive. Et par exemple, c'était... ce graphique, en fait, c'est un indice pour savoir si on est sur une année El Niño ou La Niña. Donc en haut, en rouge, c'est les 7 indices-là dit qu'on est dans une année El Niño. Et en bleu, comme ça, c'est les années dites La Niña. Donc là, c'est au cours du temps. Donc ce qu'on avait remarqué, c'est qu'en 2015, on est clairement dans une année où on était dominé, le climat était dominé par El Niño, et on avait énormément cette signature. Donc on a fait le lien comme ça. Et c'est ça qui m'a conduit en fait à enfin faire le lien entre le climat de notre petite planète et l'imagerie d'exoplanètes. Ça va? Ouais, cool. J'ai l'impression de parler hyper vite. Je parle très vite. Alors, quelques résultats quand même avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que je voulais quand même vous montrer les... Donc ça, c'est une des exoplanètes qui a été trouvée. Alors, on a fait assez peu d'images d'exoplanètes. Il y en a une trentaine max, parce que c'est hyper difficile à faire. Je pense que je vous ai bien expliqué pourquoi c'était difficile. Et en fait, aussi, il se trouve qu'il n'y en a pas tant que ça qui en sont en tout cas accessibles aujourd'hui. Donc on n'a pas tant de planètes géantes, gazeuses, jeunes, qui émettent beaucoup de lumière à une distance visible. Donc bon, voilà. Mais ça, c'est une image, c'est moi qui l'ai faite. Et ensuite, quand on a ça, on peut extraire le spectre, c'est ce que je vous ai dit. Donc là, vous avez l'intensité de la planète en fonction de la longueur d'onde. Je parle de l'image de droite, du graphe de droite. Et... alors là, c'est mes collègues qui font, moi, j'y comprends rien, mais ils arrivent à dire, oui, alors, il y a telle température, il y a telle gravité, il y a telle métallicité, je ne sais pas ce qu'ils font vraiment, mais tout ça, c'est basé sur des modèles d'évolution des planètes. D'accord ? Et donc, en fait, on fait un aller-retour entre ces modèles physiques, on dit une planète à tel âge, telle température, gna, ça donne ça, et ce qu'on observe vraiment, sachant qu'il y a quand même des incertitudes assez costauds, mais bon, on fait avec. Ça, c'est très fun. Donc là, le but, c'est d'aller voir des objets plus faibles, plus proches de leur étoile. Quand je dis des objets, c'est des planètes plus faibles, plus proches de leur étoile, et avoir plus de longueur d'onde pour avoir encore plus de spectres à analyser. Donc la chasse aux exoplanètes, c'est difficile, parce que l'espèce de graal ultime qu'on donne souvent, c'est de retrouver une planète terrestre, enfin de type terrestre, une planète dite habitable, je mets beaucoup, beaucoup, beaucoup de guillemets, si je pourrais en mettre 15 000, j'en mettrais 15 000. Et c'était pour donner un exemple de la Terre vue par Voyager à seulement 6 millions de kilomètres de la Terre, la fameuse image du Pale Blue Dot. Ah oui, en plus, vous voyez vraiment encore moins, mais c'est le point blanc là, dans le cercle bleu. Donc, autant dire que c'est déjà difficile de notre propre système solaire de nous voir, nous, la Terre. Donc, bref. Alors là, ce n'est pas la lumière émise. Là, c'est la lumière réfléchie par le Soleil sur la planète Terre que l'on voit sur cette image. Je ne sais plus pourquoi j'ai mis ça là, mais bon, j'ai l'impression de passer un peu du coq à l'âne. Jusqu'à présent, la qualité d'un site astronomique... Ah oui, si, ça y est, c'est bon, je sais le lien. Transition. La transition, c'était pour revenir à l'histoire de vent là, dont je vous ai parlé. Jusqu'à présent, les qualités d'un site astronomique, elles étaient assez réduites à la latitude, c'est-à-dire voir suffisamment d'objets dans le ciel, de préférence le centre de la Voie lactée, parce qu'il y a plein de trucs qui s'y passent. Donc le Chili, c'était pas mal. Sur les tropiques, en général, c'est bien. D'avoir un ciel qui est assez clair, qui est stable, pas de pollution, très peu de nuages, etc. Et surtout, qui est stable. Parce que si vous avez de la pluie pendant 2 heures, et puis ensuite, il fait super beau pendant 2 heures et re de la pluie, ça ne marche pas. Donc c'est pour ça que le Chili, ça a très vite été un endroit parfait, parce que, enfin, qui s'y portait bien, c'est un des, enfin, le désert d'Atacama, c'est l'endroit le plus sec sur Terre après l'Antarctique. Donc c'est extrêmement, extrêmement aride. Et en haut à droite, là, je vous ai mis une image du Chili, l'humidité au Chili. Donc vous voyez, c'est jaune. Jaune, ça veut dire sec. Bleu, ça veut dire humide, en gros. Donc on voit que c'est assez sec, parce qu'il y a zéro végétation. Et c'est près de l'océan Pacifique. Et il y a aussi les îles d'Hawaï, comme je vous ai dit, pas mal, parce qu'il y a un flux laminaire autour, enfin, très peu de turbulences.
Et donc, après avoir fait cette expérience de l'histoire du vent et avoir fait le lien avec le climat, El Niño, on s'est dit, bah, ça y est, on va pouvoir faire des études climatiques avec les données qu'on a collectées au télescope. Effectivement, quand on y pense, ça... Alors, il y a deux choses. Avant, quand on fait du climat, des études climatologiques, on est sur des échelles de temps de 30 ans. Pourquoi ? Parce que les cycles naturels qu'il y a dans l'atmosphère, donc les fameux cycles, les cycles atmosphériques, ils ont des périodes d'environ 10 ans. Donc si on veut vraiment faire des études qui ne sont pas juste du bruit ou pas juste, par exemple, si je prends 5 ans et je vous dis « Ah ouais, regardez, ces 5 dernières années, ça a chauffé », bah non, ça ne marche pas parce qu'en fait, c'est juste parce qu'on est dans une année El Niño qui va durer 7 ans et du coup, effectivement, ça chauffe, mais après, ça va redescendre, etc. et ça va se moyenner. Donc si on veut vraiment avoir quelque chose qui a de la valeur, un vrai signal, il faut minimum 3 fois cette période. Donc par convention, les climatologues sont dit « Ok, on va prendre 30 ans. 30 ans, c'est la limite... On peut dire quelque chose. On peut parler de climat à partir d'une échelle de 30 ans. En dessous de 30 ans, on ne peut pas. Et à l'échelle de la journée, c'est de la météo. On va voir. Donc là, il se trouve que, je vous ai dit, l'observatoire, il a été mis en fonctionnement en 98. Donc on commence à arriver sur ces 30 ans. Donc on commence à avoir des données depuis 30 ans. Donc on va pouvoir récupérer ces données et voir s'il y a une tendance au niveau du climat. Pour ça, on s'est aussi appuyé sur des données de réanalyse qui sont... qui sont des données publiques auxquelles vous pouvez accéder. Il y en a une, il y a plusieurs centres qui font ça au Japon, aux États-Unis et en Europe essentiellement, comme d'habitude, c'est là qu'il y a les thunes, l'argent. Mais celles européennes sont très très bien. Et en plus, on peut avoir des réanalyses sur 2800 à 2021 en l'occurrence. Mais ça peut, du coup, ça nous donne, je vais y arriver, au télescope, ça nous donne la valeur tous les jours ou même toutes les heures d'un paramètre comme la température, la pression, l'humidité, etc. Donc on peut reconstruire en fait ça et comparer à ce que nous on a observé, ce qu'on a collecté comme données, ce qu'on a mesuré directement au télescope. Et il y a aussi un autre truc, mais c'est presque rien à voir, c'est les projections climatiques. Une fois qu'on a ça, on peut dire, ok, qu'est-ce que ça va être dans plus tard. Ça aussi, c'est public. Donc comme je vous ai dit, l'observatoire de Paranal, il est là, vous avez une belle photo, c'est hyper aride, c'est la partie en jaune. Quand je vous ai dit aride, l'humidité relative moyenne, elle est de 15%. Nous, on est autour de 50, 60, 80% à Brest. 15%, ça peut descendre à 3%. C'est vraiment hyper, hyper sec. Et ça fait des problèmes de peau, de plein de trucs. Enfin, s'il y en a certains d'entre vous qui sont allés là-bas, vous avez sûrement pu ressentir ça. Comme c'est un endroit donc, dans le Pacifique, là, c'est extrêmement dépendant la météo de plusieurs ces fameuses oscillations dont je parlais du système climatique, l'oscillation de l'Antarctique, la Pacifical Decadal Oscillation, une oscillation pacifique sur 10 ans, et surtout El Niño. Donc ça, c'est un truc qui est connu depuis toujours, en fait. Hein. Puis il y avait plus de poissons à certaines tous les 5 ans dans cette région-là. Et voilà. Donc on a regardé d'abord la température. Pardon, j'ai une grosse migraine tout d'un coup. Et donc là, juste, concentrez-vous juste sur la partie rouge. C'est ce qu'on a mesuré au télescope. Donc en fait, depuis qu'on a des mesures de la température, on a juste fait au cours du temps en fait, la température mesurée au coucher du soleil, parce que c'est le moment où on ouvre le dôme, donc c'est ça qui nous importait. Et là, on a fait une moyenne annuelle et vous voyez quand même que ça monte pas mal. Donc là, on était un peu subjugués parce que bon, c'était il y a 5 ans. Et il y a 5 ans, en fait, ça a beaucoup changé depuis. Mais de voir ses propres données faire la montée, là, on était un peu waouh. On en a déduit qu'il y avait une augmentation moyenne de 1,5 degré Celsius sur le site de l'observatoire de Paranal. Et c'est effectivement ce à quoi on s'attend avec les rapports du GIEC, en l'occurrence. Et on a regardé les projections à cet endroit-là. Alors, le SSP58.5, c'est un truc dégueulasse. Je vais vous expliquer si vous voulez plus tard. Mais c'est le fameux scénario le pire. C'est genre, on continue comme ça, la courbe, c'est vraiment le pire cas. Donc, 4 degrés Celsius en 2100. C'était un petit exercice comme ça pour voir. Et il y a une collègue qui, en 2023, a repris les données, a remontré, bon, en gros, la même chose, augmentation d'environ 2% par décennie, voilà. Et une autre collègue, c'est que des femmes, tiens, c'est rigolo, qui a, elle, regardé des meilleures prédictions, que les projections que moi j'avais prises étaient très grossières, en fait, c'était vraiment sur une zone qui ne prenait pas du tout en compte le relief de l'observatoire. Et donc elle a vraiment fait ce qu'on appelle du downscaling, elle a regardé un peu plus en détail, et donc elle a trouvé à peu près les mêmes résultats. Plus 0,5 degrés Celsius par décennie. Souvent, si vous lisez des trucs en rapport avec le climat, c'est on donne une anomalie, donc un plus quelque chose par décennie. C'est souvent comme ça qu'on dit. Et l'anomalie, c'est par rapport à l'ère pré-industrielle qui va être la base
pour le zéro, quoi. Donc, le truc qui était, en fait, on a fait ces petits calculs, donc on s'est dit, ah oui, c'est marrant, et tout, cool, ok, trop bien, la température. Mais en fait, c'est derrière, il y avait quelque chose d'encore plus fort. C'est-à-dire que, oui, il y a un temps qui est plus chaud et plus sec, ça va faire qu'il y a beaucoup plus de feux de forêt et que ces feux de forêt sont plus intenses et plus longs et plus destructeurs. Donc ça, c'est un truc qui est clair, qui est aussi noté dans les rapports du GIEC. Et en fait, on en a fait les frais. Alors là, c'était juste pour vous montrer que le nombre n'a pas vraiment changé. Mais par contre, l'intensité et la dangerosité, oui, elle a vraiment augmenté avec le temps. C'est le graphe de droite. Mais je passe rapidement parce que ça, c'est ce que je voulais vous montrer. Donc, je me suis amusée à collecter. C'était un moment hyper déprimant dans ma carrière, mais c'est pas grave. Je me suis amusée à collecter toute une petite galerie de photos de les fois où des observatoires professionnels ont été menacés, voire détruits. Donc, le Mont Stromlo, en haut à gauche, en Australie, a été complètement détruit. Siding Spring à droite, c'était un an après que j'aille travailler en plus, donc ça m'a fait un peu bizarre. Il y a deux tiers qui ont été détruits, donc ils ont sauvé le plus grand télescope, mais bon, chaud. C'est quand même, elle fait froid dans le dos cette image. Ensuite, ça, c'est aux États-Unis à droite, au Mont Wilson, qui a été menacé plusieurs fois. Alors, le pire, c'est en bas à gauche, c'est le Mont Graham, c'est là qu'il y a le Large Binocular Telescope, donc les jumelles télescopes. Pour ceux qui connaissent, au milieu de... Alors, je ne sais pas pourquoi le type qui a construit le télescope l'a construit là, quoi. Vraiment, on est au milieu d'une forêt, donc turbulence de dingue, mais bon, bref, très bel instrument. Alors, lui, il a été menacé en 96, 2004, 2017, 2021, et plein de fois. Donc, si vous voulez des galeries photos de juste ce télescope avec les flammes à côté, il y a de quoi faire. Ensuite, il y a plusieurs endroits, là, en bas, c'est encore aux États-Unis. Et c'est pas fini. Et ah oui, l'autre point, moi, je vais d'abord vous mettre ça. Donc c'est pas fini, il y en a d'autres. Et en fait, vous voyez que dans les années 2020, 2021, 2022, 2023, il y en avait quand même pas mal, plus qu'avant. Il y en a un en bas à gauche, c'est Roques de los Muchachos, c'est à La Palma, aux îles Canaries. C'est soi-disant l'Espagne. Et en haut à droite, c'est l'île de Tenerife. Donc pareil, aux îles Canaries. Voilà. Ok, et quand les observatoires ne sont pas directement menacés par les flammes, donc les accès sont bloqués, et puis surtout la prise et le transfert des données est absolument impensable. Donc ça, c'était l'autre conséquence, parce qu'au début, nous, on était là, on fait des super graphes, comme d'habitude, on est des physiciens, on donne des quantités, etc. Et puis en fait, bah, là, il n'y a pas grand-chose à dire, quoi. Il y a juste à montrer des images et à dire, bah tiens, c'est pas fou. Et c'est de pire en pire. Et il y a un autre effet secondaire, c'est qu'il y a des cendres, on peut le voir très bien sur ces photos, ces jolis nuages. On peut le voir ici sur une photo de la NASA. Alors, je ne sais pas si vous reconnaissez, mais c'est la côte californienne. Donc, il y avait au niveau du pin rouge que je vous ai mis au centre, c'est là qu'il y avait le feu. C'est marqué à côté ? Non, c'est pas marqué. Je ne me rappelle plus. Mais c'est un nom de feu parce qu'ils donnent des noms aux feux quand ils sont grands comme ça. Et vous voyez à plusieurs kilomètres le télescope là, Allen. C'est un télescope qui est assez intéressant parce que c'est les télescopes du programme SETI. Donc, ceux qui cherchent de l'intelligence extraterrestre. Je trouvais ça assez... à réfléchir. Et vous voyez, vous voyez à travers les flammes le soleil qui est très rougi, comme dans les épisodes de pics de pollution, par exemple, parce que la lumière du soleil qui traverse ces nuages va être extrêmement diffusée et le soleil va paraître rouge. Donc, évidemment, quand on veut faire des observations astronomiques à travers les cendres, c'est pas fou. Et puis vous voyez que ces cendres-là, elles vont se balader sur des milliers de kilomètres, en fait à 1000 kilomètres plus loin. Du coup, dans l'Utah, c'est une réserve de ciel étoilé. Ils ont fait des mesures, justement à 1000 kilomètres de là où il y avait le feu. Et ils ont mesuré une concentration multipliée par 10 des particules des aérosols de taille de 2,5 micromètres. C'est les méchantes, c'est celles qui vont bien profond dans les bronches, celles-là. Et ils ont aussi mesuré avec un luxomètre, non Luminomètre, SLM, Sky Luminosity Meter, ouais, ça, ouais, un luxmètre, merci. C'est bien d'avoir des amateurs. Ils ont mesuré la brillance du ciel qui a été multipliée par 23. Donc le ciel était vraiment pas noir, quoi. Ça brille. Donc ça, c'est aussi un effet secondaire. Et pour aller un peu plus loin, si par exemple vous regardez une étoile et vous prenez son spectre, en fait, ça va beaucoup, beaucoup changer ces fameuses, ce qu'on appelle les raies telluriques qui sont hyper importantes et qu'on veut comprendre pour pouvoir les enlever. Je n'ai pas passé trop de temps dessus, dommage, c'est intéressant, mais il y a trop de choses qui sont intéressantes. Mais en gros, l'humidité, c'est hyper important. Il y a beaucoup de variations et ça va compliquer les observations qu'on fait si on ne connaît pas ou si ça varie très beaucoup, ce spectre. Et deux exemples, c'est si vous prenez à une longueur d'onde et à une autre, une même étoile, bah, vous voyez que dans certains cas, en fait, on ne voit rien.
oublié. Mais bon, bref, vous avez un fond. On ne voit vraiment rien sur mes images. Sur l'écran, on voit super. à droite, vous avez un fond en fait brillant, alors qu'à gauche, vous n'en avez pas. Voilà. Il y a d'autres effets secondaires à l'humidité. La première, c'est les fuites, évidemment, tout ce qui est corrosion des composants. Si vous avez des composants avec du très haut voltage, comme les miroirs déformables, par exemple, vous ne pouvez plus les utiliser. Et la dernière fois que je suis allée au Chili, juste avant le Covid, je ne suis plus jamais retournée, bah, je n'ai pas pu observer pendant une semaine parce qu'il y avait 70% d'humidité. Et qu'on ne pouvait même pas allumer le composant, parce que moi, je voulais faire des tests sur source interne. Donc, en fait, je ne voulais même pas regarder le ciel. Je voulais juste qu'on allume l'instrument. Ben, on ne pouvait pas. C'est quand même hyper frustrant. Et il y a aussi des limitations intrinsèques, comme par exemple l'accès à l'observatoire. Ça peut être dangereux. Et puis, on ne peut juste pas ouvrir le dôme si c'est trop humide, parce que l'humidité peut se condenser sur le miroir primaire. On ne veut pas ça, etc. Donc, il y a plein de choses. Et on a regardé aussi les tendances. Alors, on n'a pas vu de tendance claire. Mais il faut savoir que dans les endroits très secs, c'est hyper difficile de mesurer l'humidité. Ce qui, en fait, est assez normal quand on y pense. Vous avez un endroit super sec, des micro-pouillèmes d'humidité, c'est un peu dur à voir. Donc, on n'a rien trouvé. Et puis, au niveau des projections qu'a fait mon autre collègue, là, ça augmenterait peut-être un petit peu. Mais alors là, c'est hyper difficile à dire. Et donc, un petit point là-dessus. C'est que, OK, c'est cool de faire ces graphes-là, mais encore une fois, c'est comme avec les feux de forêt, ça ne va pas tout dire. Il y a plein de choses derrière. Par exemple, il y a un phénomène qui s'appelle les rivières atmosphériques, où c'est en gros un paquet d'humidité qui arrive de l'Amazonie, ouais, ça, et qui va descendre vers le désert d'Atacama. Et en fait, ça, c'est des événements qui arrivent deux fois par an à raison d'une semaine. Pile poil quand j'y étais la dernière fois, justement, d'où les 70% d'humidité. Mais ça, en fait, ça peut arriver de façon plus fréquente et ça peut être plus long. Ça peut être plus intense. Et c'est ça, en fait, que disent les rapports du GIEC, c'est que ces extrêmes quoi, vont arriver plus souvent. C'est pour ça que là, en ce moment, il fait méga froid. C'est comme ça que ça va marcher. Il y a une tendance à chauffer, mais au niveau local. On a fait pareil avec la turbulence optique. Bon, on n'a rien trouvé. Pareil, ma collègue, elle a trouvé des augmentations pas disparues. Voilà. On a regardé vraiment les effets de la turbulence optique. Et puis, pareil, pour mon autre collègue... Pour les projections, on n'a pas vu de grosses augmentations. Parce que là, le but, c'était de dire à mes collègues, OK, vous n'en avez rien à faire du changement climatique, c'est cool, mais lui, il en a quelque chose à faire de vous, il va peut-être vous impacter. C'était ça le message quand on a fait toutes ces études-là. Mais bon, voilà. Et donc, on a regardé un autre truc qui, moi, m'intéressait beaucoup, parce que cette histoire de vent, là, vous vous rappelez, où ça fait longtemps maintenant que je vous en ai parlé, mais l'histoire du wind-driven halo, vachement plus classe en anglais qu'en français, bah, en fait, il est essentiellement dû au jet stream. Le jet stream, c'est une couche de vent très très rapide qui va être à peu près 12 km d'altitude. On l'appelle comme ça jet parce que c'est là que les avions en fait, de transport vont faire leur altitude de croisière. Et donc, c'est des vents très très forts qui se baladent toujours de ouest en est. Je sais pas si j'y arrive. D'ouest en est. Et puis, on a à certains endroits, et c'est ce que vous voyez ici en rose sur ce globe. Et il se trouve qu'il y a un petit bras de jet stream qui passe pile poil au-dessus de notre télescope. Qui est ici encadré en jaune. Et ça, ils n'y ont pas pensé, enfin, s'ils y ont pensé un petit peu quand ils ont fait les études de site, mais ce n'était pas non plus un énorme, enfin, ce n'était pas un facteur énorme, quoi. Il se trouve que dans, maintenant, l'imagerie d'exoplanètes, c'est notre point le plus problématique. Donc, on a voulu regarder justement si ce jet stream, il augmentait ou il diminuait. Donc, on a fait aussi des moyennes mensuelles. Encore une fois, dans les moyennes mensuelles, vous effacez plein de trucs. Vous effacez les extrêmes, vous effacez la durée des événements, vous effacez plein de trucs. Donc, ce n'était pas fou. On a vu peut-être une possible augmentation, mais en fait, en lisant vraiment ce qui se passe avec le dérèglement climatique au niveau du... Il y a un bruit bizarre. Au niveau du jet stream, il y a... En fait, j'ai appris, en parlant à plein de climatologues, c'est hyper compliqué. Voilà. Mais il y a des prédictions que ça pourrait bouger vers les pôles, que ces espèces de bandes de jet stream iraient vers les pôles et que l'oscillation augmenterait et qui serait parfois plus intense. Il faut savoir, quand je vous ai dit, c'est des vents qui vont très vite, c'est 60 mètres par seconde, donc c'est des gros vents bien dodus. Et en fait, il y a eu des moments, effectivement, assez récemment où ça allait très très vite, à tel point qu'il y a un vol Paris-New York qui a mis 3 heures. Quoi. Et l'avion s'est fait littéralement pousser par le vent. Quoi. D'ailleurs, c'est pour ça, c'est pas du tout parce que la Terre tourne, mais que les avions... ils vont plus vite dans un sens que dans l'autre, c'est que dans un sens, ils se font pousser par le jet stream, et dans l'autre sens, bah, ils sont contre le jet stream, donc ils ont besoin de plus de carburant. Donc pareil, mes collègues, elles n'ont rien vu de fou. Et c'est bon ? Ouais ? Ok.
Petit topo sur le dérèglement climatique. C'est la partie un petit peu rigolote. Oula, comment je vais faire ça? À droite, vous avez la courbe originale, historique, de ce qu'on appelle le hockey stick, donc la courbe de hockey. Alors, on voit que c'est des Américains qui ont fait ça parce qu'on ne l'aurait pas appelé comme ça, nous. Mais bon, bref, ils font du hockey là-bas. Qui est vraiment ce fameux, vous avez une tendance, et tout d'un coup, ça augmente tout d'un coup, d'où la courbe de hockey. Donc là, c'est la température, l'anomalie de température, hein, comme je vous en parlais tout à l'heure, en fonction du temps, de l'an 1000 à 2000 et quelques, on voit l'augmentation. Donc tout ça, ça vient de où? L'énergie qu'on reçoit sur Terre, c'est le soleil. Il n'y a que ça. Tout vient du soleil. Il nous envoie une énergie de 340 watts par mètre cube, plus ou moins, selon si on est au pôle ou si on est à l'équateur. Et justement, c'est ça le problème. C'est que quand on va être au pôle, on va recevoir de la lumière rasante, donc comme au coucher de soleil pour nous, donc on va recevoir moins de chaleur, moins d'énergie par unité de surface. Par contre, si vous êtes à l'équateur, là, vous avez le soleil au zénith en pleine balle et vous prenez vraiment la dose de lumière et de chaleur. Et c'est cette différence, à un temps donné, entre les pôles qui vont recevoir moins de chaleur et l'équateur qui va recevoir plus de chaleur, bah, qui va faire une inhomogénéité de température. Et en voulant se rééquilibrer, donc ça va faire des mélanges, et c'est ça qui va démarrer ce qu'on appelle le système climatique. C'est vraiment ce rééquilibrage entre des zones au pôle qui sont plus froides, enfin qui reçoivent moins d'énergie par mètre carré, et des zones qui sont plus chaudes. Sans gaz à effet de serre, il ferait moins 18 degrés Celsius en moyenne sur Terre, c'est un petit peu frisqué, mais grâce au gaz à effet de serre, il fait plus 16 degrés Celsius. Le problème, c'est qu'on en rajoute un petit peu trop, mais ça, c'est un problème pour plus tard. Un autre truc aussi que je voulais vous pointer, parce que je pense que c'est assez important, c'est vous savez que l'atmosphère, on l'a découpée... On ne l'a pas découpée en couches, pardon. Elle est découpée en plusieurs couches. On avait la troposphère, la stratosphère, l'exosphère, gna gna. Et en fait, ça dépend, donc c'est le profil, ça dépend vraiment de comment la température évolue. Donc là, on est au sol. Plus on monte en altitude, plus il fait frais. Mais en fait, il y a un moment où plus on va monter, plus il fera chaud, parce que ce sera plutôt chauffé. Et ensuite, ça va recommencer dans l'autre sens. Donc ça, c'est ça qui va définir les fameuses couches. Et en fait, dans la troposphère, là où on vit, nous, c'est assez bas, hein. La troposphère, c'est entre 8 et 16 km, 8 km au pôle et 16 km à l'équateur. D'accord ? Donc, c'est des choses à petit. Je vous ai dit, c'est combien l'altitude, la taille de l'atmosphère ? Ah, vous êtes trop fort. Donc là, on est à 10 km, c'est pas beaucoup. Mais néanmoins, c'est pas beaucoup, mais il y a quand même 80% de tout qui est dedans, qui est dans cette première couche, parce que c'est là qu'il y a le plus lourd, et surtout 90% de l'humidité. Donc l'humidité, c'est un rôle fondamental pour nous. Voilà. Donc ça, c'est un truc important. Donc tout, ça se passe en bas. Le système climatique terrestre, ouais, comme je disais, c'est ce qu'on... Non, je n'ai pas dit ça encore, mais c'est l'interaction vraiment entre tout, donc l'eau, la glace, l'atmosphère, les continents, mais aussi les formes de vie. Vous savez que le fait qu'il y ait des arbres, ça va changer selon le printemps ou l'automne, la répartition de température, etc. Et tout ça, ça fait un énorme système qui est chaotique, avec des oscillations, comme l'oscillation El Niño, par exemple. Chaotique, mais toujours en équilibre. Mais chaotique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on met une petite pitchounette quelque part et ça peut complètement partir en vrille. Et c'est ça le problème, en fait, aujourd'hui. C'est que ce système chaotique, il marchait bien, mais le climat, ça conditionne absolument tout. Et comme je disais, un petit changement, une toute petite bricole, ça peut avoir un impact énorme. Ça, c'est des choses qui sont connues, en fait. Je voulais raconter quand même ça, parce qu'en 1856, c'est une femme, Eunice Newton Foot, qui a vraiment fait la corrélation entre la concentration de dioxyde de carbone dans de l'air et la température. Donc vraiment l'effet de serre, en fait. Et Svante Arrhenius, qui est un petit peu plus connu parce que c'est un mec, en 1896, c'est vrai, il a montré qu'en doublant la concentration de dioxyde de carbone dans une masse d'air, on augmentait de 5 degrés Celsius. Donc déjà, il y avait des petits machins. Hein. Pour vous montrer la courbe qui est souvent montrée dans les rapports du GIEC, donc là, c'est la concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. En partie par million, c'est un équivalent de pourcentage, mais par million. Et puis vous voyez que bon, ça se passe plein de trucs, mais bon, là, ça monte à droite au temps zéro, ça part vraiment très, très, très loin. Et en fait, on n'avait jamais dépassé ça. Je ne sais pas pourquoi la ligne pointillée, je ne sais pas à quoi elle sert. Et c'est clairement lié à l'explosion de l'utilisation des ressources fossiles. Donc il y avait le charbon avant, mais il y a en particulier avec le pétrole. Et ça, c'est la photo du premier puits de pétrole par Edwin Drake. On ne le remerciera pas, en 1859. Voilà. Ouais, vous avez sûrement tous aussi vu ces climate stripes. Donc assorti à la... Comme je vous ai dit, il y a un lien direct entre la concentration de CO2
le dioxyde de carbone et la température. Donc on a vu aussi un changement de température assez fort. Et c'est une visualisation, là, ce qui vient d'apparaître en haut à droite. C'est un moyen de visualiser, parmi d'autres, hein, le changement de température globale de la surface. Parce que souvent, les gens oublient de dire que c'est la surface et que c'est global. Parce que si on regarde à d'autres endroits, ce n'est pas pareil. Mais ça, évidemment, c'est que les parties immergées de l'iceberg, parce qu'il y a plein d'autres problèmes. Et l'autre problème, c'est l'érosion de la biodiversité, qui est due à plein de choses. Cette fois, ce n'est pas le soleil, mais c'est la surexploitation des ressources, la destruction des habitats, agriculture, urbanisation, altération des habitats, pollution sonore, fragmentation des... Non. Pollution, sol, air, eau, glace, tout ce que vous voulez, dérèglement climatique, évidemment, qui en fait partie, avec des changements de migration, des maladies, qui non. Prolifération des espèces envahissantes, échanges commerciaux, déplacements, domestication, tout un tas de trucs, nous, notre vie, quoi. Donc il y a plusieurs indicateurs principaux pour, par exemple, parler d'érosion de la biodiversité. C'est le fait qu'il y ait moins d'espèces, mais aussi qu'il y ait moins d'individus par espèce. Ouais, alors c'est hyper déprimant ce passage. On estime à 1 million d'espèces vivantes menacées d'extinction d'ici 30 à 50 ans. Ok, il y a plein d'interactions entre écosystèmes et espèces, voilà. Et souvent, vous allez peut-être voir, vous avez peut-être déjà vu cette façon de présenter les choses, ce qu'on appelle les limites planétaires. C'était Kate Raworth, une économiste, qui avait mis ça en place juste pour le montrer. Et donc au milieu, en vert, vous avez l'espace sain, donc ce qu'on peut utiliser. Et puis quand ça le dépasse, c'est qu'on a dépassé ce qu'on appelle les fameuses limites planétaires. Donc il y a plusieurs, il y en a 9 en fait, mais elles ont été chacune séparées. Donc par exemple, ici là, vous avez le changement climatique avec la concentration de CO2 qui augmente, mais de gaz à effet de serre aussi en général. Hein, il n'y a pas que le CO2 qui fait de l'effet de serre, il y a aussi le méthane, il y en a plein d'autres. Mais souvent, on les calcule en équivalent CO2 pour avoir la même unité pour tout le monde. Là, vous avez la biodiversité, là, vous avez l'usage des sols, de l'eau douce, l'acidification des océans qui est totalement liée au dérèglement climatique, etc. Bref, très intéressant. Et les fameuses eukaryotes, en fait, on les observe partout. Cette grosse, ce qu'on appelle la grande accélération, donc qui a eu lieu depuis les années 60, en fait, hein, c'est vraiment post-Seconde Guerre mondiale, où on observe donc sur plein d'indicateurs le dioxyde de carbone, l'oxyde de sodium, NO2, le méthane, qui sont aussi des gaz à effet de serre. Donc il y a plein d'indicateurs. Il y en a 3 fois 4, 12, j'arrivais. À gauche, et puis il y a aussi les socio-économiques, donc ce qu'on appelle le PIB, voilà, la population, les investissements directs, la population urbaine, les grands dams, barrages, merci. Donc on voit vraiment cette hockeystick comme une tendance qu'on appelle, ouais, donc, comme je vous dis, la grande accélération partout. D'ailleurs, il y a aussi des gens qui ont rajouté à droite pour les socio-économiques tout ce qui est usage des technologies, Internet, tout ça. Ça va ? C'est horrible. Hein. Bon, là, le point où je voulais en venir, c'est que bon, ça, c'est un fait. Voilà, donc je vous ai montré qu'il y avait quand même des liens avec l'astronomie. Et j'aime bien montrer ce truc-là, qui est donc en noir, vous avez la concentration atmosphérique en équivalent CO2, donc ça veut dire en prenant en compte les autres gaz à effet de serre et en les mettant sous la même unité. Donc c'est une moyenne annuelle, toujours en partie par million. Je vous ai mis le stripe couleur juste parce que c'est un peu plus digeste. Et vous avez 3 courbes. Donc en vert, vous avez le réchauffement des continents. En bleu, vous avez les réchauffements des océans, sachant que les océans en fait ont une meilleure capacité thermique, donc ils vont emmagasiner plus de chaleur. Donc les océans, la température va moins augmenter. Et donc globalement, on aura le truc entre les deux, c'est le truc rouge là, qui représente 100%, mais les continents qui représentent 28,2% de la Terre et les océans 70,8% de la surface de la Terre. Excusez-moi, j'ai oublié le mot-clé surface. Donc les continents vont se réchauffer beaucoup plus vite que les océans. Et au total, ça va faire un truc, là on en est à 1, et des boîtes. Je vous ai mis, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en haut à gauche, j'ai pris ça des ce qu'ils appellent les inactions climatiques. Donc le premier rapport total qui a été déterré il y a quelques années, en 1971, où ils savaient très bien ce qu'ils faisaient et ils savaient très bien où est-ce qu'ils allaient. En 1972, il y a eu le fameux rapport Meadows, par le Club de Rome, là, qui disait en fait, ça ne va pas d'exploiter et de... sur une Terre qui a des ressources finies, d'exploiter les ressources comme si tout allait bien et que c'était infini, ça ne marchera pas. Il y a eu le premier World Climate Conference en 1979. 1982, le rapport Exxon, le même que le Total, ils savaient très très bien, ils ont fait des super simulations, super courbes, ils sont au top, top, top. Et puis c'est pareil, c'est sorti des archives assez récemment, en fait, il y a
3-4 ans. Je pense que c'est aussi ça qui a participé au fait qu'on en entende de plus en plus parler. Donc, il y avait plein d'autres choses. En 2015, les fameux accords de Paris, là, vous en avez tous entendu parler avec les 2 degrés, la Convention citoyenne pour le climat en 2019, et en 2021, le sixième rapport du GIEC qui est sorti. OK. Et en bas, je vous ai mis les gros trucs qui s'est passé en astronomie et astrophysique, parce qu'on est quand même là pour parler d'astronomie. Donc, par exemple, la découverte de l'expansion de l'univers en 1924, Spoutnik, le premier satellite artificiel lancé en 1957, 1961, premier homme blanc dans l'espace, la découverte du Cosmic Microwave Background, du fond diffus cosmologique en 1965, premier mec blanc hétérosexuel chrétien sur la Lune en 1969. C'est vrai quand même, il n'allait pas mettre des gonzesses. 1977, il y a Voyager qui est le premier instrument, enfin, la technologie humaine qui est sortie, enfin, qui allait le plus loin de la Terre. Hubble Space Telescope en 1991, première exoplanète découverte en 1995. Petit rover martien, le premier 1996, vous voyez, ça avance très très vite hein, tout ça. La station spatiale internationale, 400 km d'altitude, 1998. Les télescopes de 10 mètres, pouf, ils arrivent dans les années 2000. Cassini, qui va voir Saturne. Gaïa, un truc incroyable, Gaïa. C'était il n'y a pas longtemps, c'est à 2013. Rosetta, première fois qu'on se pose sur une comète, 2014. Première sonde gravitationnelle, 2015. La photo du trou noir, 2018, JWST, 2021, James Webb. Et bientôt, bientôt peut-être, des télescopes de 30 mètres. Ça fait 5 minutes, rien. Ouh, tout ça, c'était pour vous dire ça. Ça, c'est ma façon à moi d'illustrer qu'en fait, je l'ai marqué comme ça. L'avancée des connaissances, que ce soit en astronomie, mais en général, sur les sciences naturelles, elle est clairement intriquée avec la destruction de l'environnement terrestre. Ça fait un petit peu mal, parce que moi, j'aime beaucoup l'astronomie, comme vous. Et bon, voilà, faut se mettre au fait accompli. Alors, pourquoi j'ai choisi les baleines? Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais les baleines ont été tuées en masse pour que leur huile soit utilisée pour allumer les rues de Londres et de Paris lors de la révolution industrielle. Et, voilà. Et donc, c'est avec le sang des baleines qu'on a pu envoyer des gugus sur la Lune. Saturne 5. Donc, en fait, quand on revient sur la qualité d'un site astronomique, il y a d'autres trucs qu'on a un petit peu passé sous silence. L'accès à l'énergie, qui risque d'être moins facile. L'accès à des ressources opérationnelles, il faut nourrir les gens là-bas, leur donner de l'eau froide, leur donner les bases pour qu'ils survivent. Et surtout, une stabilité sociale. On ne va pas aller dans un endroit où il y a la guerre. Donc ça, c'est les images que je vous avais mises tout à l'heure, mais j'ai rajouté d'autres trucs. Donc celle-ci, c'est quand il y a eu en 2019 les manifestations pour une nouvelle constitution au Chili, donc très récent. Ça, c'est un petit renard du coin, qui est maintenant décédé, hélas. Là, ils avaient mis une nouvelle source d'énergie avec des panneaux photovoltaïques dans le désert d'Atacama, et tous les jours, il y a 2 ou 3 camions, j'ai jamais réussi à avoir le nombre exact, de 20 000 litres qui rapportent de l'eau fraîche, de l'eau potable, pardon, fresh water, de l'eau potable à ces messieurs, dames, les astronomes et tous les opérateurs qu'il y a autour pour qu'ils se nourrissent, mais aussi qu'ils se douchent et qu'ils fassent leurs petits besoins dans de l'eau potable. C'est chouette, hein, dans le désert. Là, c'est les réserves de diesel pour faire marcher les télescopes. C'est un gros truc. Et à Hawaï, on a aussi des espèces protégées qui ont failli disparaître. Donc, j'ai pas vu la photo, mais il y a un insecte, par exemple, qui est endémique de Mauna Kea. Et là, c'est les manifestations qu'il y a eu parce que la population hawaïenne native a manifesté contre le projet de construction du télescope de 30 mètres que les Américains, les États-Unis, voulaient construire. Donc le projet a été arrêté. Et ça a lancé plein de débats. On s'est pour une fois remis en question. On s'est dit, mais en fait, c'est peut-être pas normal d'aller sans demander chez des gens et puis de dire, tiens, on va mettre un gros télescope. Ça paraît hyper bien, on se dit, ouais, les étoiles, trop cool, c'est un truc humanité, mais en fait, il faut quand même demander aux gens qui sont là ce qui se passe. Donc, bref, on pourra en parler. Mais donc, finalement, quand on parlait de dérèglement climatique et de tout ce qui va se passer, pour faire fonctionner un observatoire astronomique, on a besoin de voyager vers cet observatoire, de collecter les données, de les transférer. On a besoin d'énergie pour faire marcher tout ça. Et dans un deuxième ordre, du coup, il faut donc qu'il n'y ait pas de pandémie. Et ça, on sait que c'est quelque chose qui risque d'augmenter, malheureusement. Qu'il n'y ait pas non plus de manifestation, qu'il n'y ait pas non plus de problème de conflit géopolitique. Et il faut qu'on ait accès à des ressources de base, comme de l'eau potable, de la nourriture et des soins de santé de base. Et donc, en fait, ça, c'est pareil que les feux de forêt tout à l'heure. C'est des petites choses auxquelles on ne pense pas forcément quand on pense astro, mais qui, néanmoins, sont nécessaires au fonctionnement d'un observatoire. Donc, il faut prendre en compte.
Et ça, c'était une jolie illustration. C'est un télescope de l'Observatoire de Paris et un canon. Pareil. Ouais. Et c'était pour dire que l'écosystème, c'est des supports de présentation que j'ai utilisés il y a pas très longtemps pour mes collègues, parce que je me suis rendu compte que je communiquais beaucoup de choses avec le grand public que je communiquais pas à mes collègues, et inversement, que je communiquais beaucoup de choses avec mes collègues que je communiquais pas forcément avec le grand public. Du coup, j'essaye de faire des petits échanges, ce qui fait que des fois, c'est pas forcément bien coupé, mais donc c'était pour dire que voilà, la recherche en astronomie et astrophysique, elle est indissociable de la société dans laquelle on vit. En fait, dit comme ça, c'est hyper simple. Mais ça a tellement d'implications parce qu'on a eu tendance à, pendant des années, à se détacher de tout ça, à dire non, l'astronomie, c'est ce truc un peu au-dessus de tout, qui s'occupe des étoiles, qui touche aux origines, à la spiritualité de l'humain. Vous savez, le premier slide que je vous ai montré là, avec le disque de. Voilà. Donc voilà, reposer un peu ce guion. Et en fait, en se rendant compte de ça, on se dit oui, et nous, on n'est pas aussi un problème dans tout ça. Et donc, il y a des collègues qui se sont amusés à faire l'empreinte carbone environnementale, enfin carbone, de l'astronomie. Donc, ils ont regardé, regardez pas les détails, mais en gros, ils ont regardé combien coûtait en carbone l'utilisation des télescopes, des observatoires spatiaux et au sol. Et en moyenne, un astronome a une empreinte carbone de 36 tonnes équivalent CO2 par an, sachant que les accords de Paris, c'est 2. Voilà, donc on est bien, quoi. On mange un peu, quoi. Et est-ce que c'est grave? C'est un autre débat, mais moi, je vous dis les choses. L'ESO, l'Observatoire européen austral, on va se faire virer dans 10 minutes, a fait le même travail et ils ont dit « Ouais, vous inquiétez pas, on va mettre des cellules photovoltaïques, on va faire ça, trop cool, on va réduire de moins 15%. » Trop bien. Sauf qu'ils construisent aussi le télescope de 39 mètres dont je vous ai parlé, donc ils vont augmenter de plus de 125%. On appelle ça le greenwashing aussi. Bref. On a regardé selon les laboratoires et on a remarqué que forcément les laboratoires qui travaillent dans le domaine du spatial consomment un petit peu plus, que ça dépend du lieu géographique et que du coup c'est très difficile de dire tout le monde fait ça parce qu'en fait ça dépend vraiment de l'endroit où on est et du type de laboratoire dans lequel on travaille. Donc ça c'est les trucs que je suis en train de discuter avec mes collègues. Voilà. Et ça c'est le total. Donc là ils se sont amusés à faire vraiment tout et ils ont retrouvé que le laboratoire plus les infrastructures, ça donnait à peu près 28 tonnes de CO2 équivalent par astronome par an, sachant que la normalisation par astronome, elle est un peu aussi très débattue, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit « oui, mais c'est un bénéfice pour l'humanité entière, donc on va diviser par 7 milliards, ou 8, je ne sais plus à combien on est trop. » Oui, mais je pense qu'il y a certains endroits au plein milieu de nulle part où ils ont... Voilà. Donc, ça c'est bientôt ma conclusion pour vous. C'est là, en ce moment, on travaille énormément pour aller vers un nouveau paradigme, mieux comprendre l'astronomie, parce qu'en tant qu'astronome, non seulement on est témoin du problème, on fait partie du problème, mais en fait, on le subit aussi. C'était ça que je voulais vous montrer avec cette présentation et discuter un peu, partir dans tous les sens, en essayant de vous donner plein de petits... Je ne sais pas ce que vous aurez retenu de tout ce que je vous ai dit ce soir, mais voilà, il y a de quoi réfléchir. Et donc, j'adore encore une fois cette photo qui est très contradictoire. Et c'est un truc qui me paraît hyper important, c'est qu'on est le point de trouver une planète dite habitable, alors que l'habitabilité même de notre planète, enfin de la planète sur laquelle on est gentiment accepté, est menacée. Et on cherche des traces de vie dans l'univers, alors qu'on se met dans des observatoires hyper loin, dans les déserts arides de vie. On a accès à des images incroyables du ciel, mais à cause de la pollution lumineuse et atmosphérique, on est privé de l'expérience sensible d'observer les étoiles. C'est de plus en plus compliqué de trouver des endroits où on peut observer. Et on a exploré seulement 10% des océans en dessous de 200 mètres. Par contre, on a cartographié la surface de Mars, de la Lune, de Mercure. Donc, c'est quoi nos priorités, en fait? C'est quoi la valeur? Est-ce que c'est plus intéressant d'étudier l'atmosphère de l'exoplanète à 10 milliards de là? Ou de savoir comment les pigeons interagissent avec les rats dans les villes? Parce qu'en fait, finalement, c'est hyper important pour les pandémies, pour plein de trucs. Je ne sais pas. Mais peut-être revisiter le système de valeurs. Moi, ça me paraît intéressant. Il y a plein d'actions possibles, de ne pas multiplier les constructions, collaborer, mutualiser, analyser le cycle de vie, revoir le système de compétition, changer le système d'évaluation, des recrutements, des financements de projets. Il y a plein de choses qu'on peut faire, des petits leviers, comme ça, en tant qu'astronome professionnel. Avoir une éthique de la recherche, avoir des actions publiques et politiques, c'est hyper important, sauf que c'est hyper compliqué, parce qu'on est quand même plus de 300 astronomes... On est 500 fois 3, on est 1500, 1700 astronomes, je crois, en France, astrophysiciens, professionnels. C'est une crise qui en fait, c'est difficile de voir justement toutes les dimensions cachées dans ce qu'on traverse aujourd'hui, c'est historique. Et
il faut le traiter surtout avec éthique et équité. Après, je dis tout ça, mais c'est super intéressant, c'est hyper stimulant de se dire, en fait, on a une opportunité de changer les choses, parce qu'il y a quand même plein de trucs qui ne vont pas. La France consomme quand même beaucoup d'antidépresseurs, par exemple. Il y a plein d'indicateurs. Mais il met un petit pingouin pour détendre l'atmosphère, qui fait des câlins à la planète, Terre. Mais je pense aussi que c'est vraiment une opportunité, une stimulation intellectuelle pour pouvoir justement changer de paradigme, revisiter les notions de progrès, de pourquoi on fait de la recherche, comment on l'a fait, qui est-ce qu'on inclut, qui est-ce qu'on exclut dans notre corps de métier. Donc il y a plein de choses comme ça à penser qui sont hyper intéressantes. Reconnecter l'art, la science, la politique, qui ont été séparées à grand renfort d'écoles publiques. Bref. Donc voilà, revisiter notre progrès de valeur, accepter le changement de paradigme et nourrir l'espoir d'améliorer notre société. Merci à tous pour votre écoute.